Bonjour, Arnaud Manzaninis. Nous sommes maintenant à moins de 24 heures du départ de la première édition de la Race Across France. Nous sommes tous très excités de vivre ce départ intensément qui aura lieu donc demain 9h à Mandelieu. Donc si vous êtes sur le secteur et vous souhaitez venir encourager les premiers participants qui s'annonceront demain matin, n'hésitez pas à venir les encourager. Nous sommes sur le lieu de départ. Les participants vont donc s'élancer sous ce barnum, vont passer là où nous sommes, prendre le virage et repartir ensuite dans la direction de Grasse qui va les emmener derrière au Mont Ventoux. Le Mont Ventoux qui est un point culminant et important, un sommet légendaire, et les participants auront donc 24 heures pour franchir ce point de passage là. Ensuite ils se dirigeront à travers l'école mythique des Alpes pour un second point de passage très très important qui est à Talloire, qu'ils devront franchir en un certain nombre d'heures, et puis ensuite la grande remontée vers la magnifique ville du Touquet. Poursuivre cette épreuve et cette traversée, différents moyens, vous pouvez télécharger l'application RAF, R-A-A-F, qui vous permettra d'avoir le live GPS de tous les participants, également ceux qui s'élanceront samedi et dimanche. Vous pouvez aller sur la barre de recherche en tapant raf.solustop.com, et comme ça vous pourrez vraiment suivre l'évolution des coureurs. Et n'hésitez pas, si vous voulez venir les encourager le long du parcours, à le faire, je pense que ça leur fera très très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager le lien de notre site, à partager l'épreuve également pour ceux qui ne la connaissent pas. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir vivre cette première édition et de vous la faire partager de cette manière. N'hésitez pas non plus à commenter les lives que nous pouvons faire. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir. Merci.